Elle a toujours son agence d'intérim, ton amie? Celle qui tenait une filiale des recruteurs de la côte? Ouais. Non, elle a vendu. Elle a repris l'agence de Seattle. On cherche un petit job pour arrondir ses fins de mois, Tony? Ouais, tu parles. Non, c'est pour Suzy. Elle n'a rien trouvé malgré ses diplômes? Et c'est pas faute d'avoir cherché, mais elle en a toujours trop ou pas assez. Attention à toutes les unités, on signale une rixe aux arcades de jeux vidéo près de la baie. Ici 3 PB1, bien reçu. On y va. Tout le monde se calme! Lâchez-le, je m'en occupe! J'ai dit stop! Viens, je te prends! Allez, viens! Encore un qui a maté trop de jeux vidéo? Vous pouvez contacter le central, qu'il m'envoie de quoi escorter ces messieurs. Merci beaucoup, lieutenant. Je vois que tu es toujours aussi efficace. Gene Savage. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Trop longtemps. Victor, interroge Monsieur Savage, si vous avez autre chose à lui demander. Pas la peine. Vous le connaissez, à ce que j'ai compris? Ça vous regarde pas. C'est le risque. Parfois, il y en a un qui devient dingue. Et encore là, ça a été rapide, parce que j'ai entendu du bruit et du hurlement, et alors ensuite... je suis sorti de mon bureau pour voir ce qui se passait. Et vous êtes arrivé avant que j'aie eu le temps de comprendre. Bon, je vous remercie, Monsieur Savage, je pense que ça suffira. C'est moi qui vous remercie. Sans votre intervention, allez savoir, il aurait pu me tuer, je suis là grâce à vous. C'est fini. On vous enverra un double du rapport de police à joindre au dossier pour l'assurance. Vous êtes formidables, les enfants. Merci pour le coup de main. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt. Tony. Je crois que... Bon, je suppose que ça a dû te faire un sacré choc de me retrouver là. C'est le moins qu'on puisse dire. Je m'y attendais. J'ai même cherché un moyen de te mettre au courant. Puis tu t'es dit que ce serait plus drôle de me laisser la surprise. Je comprends que tu le prennes mal, mais c'est pas grave. Ah, t'es trop gentil. À ta place, moi aussi, je verrais ça d'un sale œil. Mais le temps arrange les choses. Il n'y a aucun ressentiment de mon côté. Toujours aussi magnanime. Mets-moi à l'épreuve. Je me dis qu'un jour, on pourra peut-être redevenir copains comme avant. Il me faudrait 1 million d'années pour que je te refasse confiance. Tu es revenu t'installer ici en plus. Et évidemment. Le soleil toute l'année, la plage, le bord de mer. Tout le monde rêve de venir vivre ici. Ne me dis pas que c'est la seule raison. J'ai fait pas mal de bêtises, mais je les ai payées.
J'en ai bavé pendant 7 ans. Ça m'a servi de leçon. Maintenant, tout ce que je veux, c'est gagner un peu de blé et recommencer ma vie. Je demande rien de plus. Ouais. Ah, c'est du délire. Je les ai accompagnés au dépôt. Pendant tout le chemin, ils ont continué à se battre. Les bikers, c'est les surfeurs. Ouais. Ennemis jurés à vie. J'ai vu ça. Et tu as eu le fin mot de l'histoire concernant le type des jeux vidéo? Non. Ah, c'est bizarre. T'as vu la façon dont Tony l'a regardé? Ah, c'était limite règlement de compte à OK Corral. J'ai essayé de lui parler de Savage, mais il m'a envoyé sur les roses. Gene Savage? Tu connais ce type? C'est lui qui a formé Tony quand il est rentré dans la police. C'est le pourri que Tony a fait tomber? Exactement. Le lieutenant n'avait aucun poids à l'époque et c'est lui qu'on a mis en examen. On l'a accusé de complicité et de recel. L'affaire a duré pratiquement 1 an. Et comment ça s'est terminé? Il y a eu un procès, ça avait déjà été condamné à 10 ans. Calloway! Je veux que vous me sortiez le casier judiciaire de Gene Savage. Je veux savoir combien il a de PV, s'il a craché par terre, s'il a pris une cuite, absolument tout ce qui le concerne. D'accord, je m'y mets dès que j'ai tapé ce rapport. Vous vous y mettez tout de suite. Bonne journée. Qu'est-ce que tu veux, Monsieur Superboy Scout? Brigade des bons samaritains. Et tu vas nous suivre au poste. Dans tes rêves, ma poule. Pose ce truc par terre. On ne fait rien de positif par la violence. Tu veux parier? C'est pas la peine. Donne-moi ce couteau. Fais voir ce qu'il t'a fait. Non, c'est rien. C'est superficiel. Il y a un problème? Salut, Cory. Un gamin a voulu lui donner un coup de couteau, mais on l'en a empêché. Par où il est parti? J'ai pas eu le temps de voir, désolé. Ça fait rien. Viens par là me donner sa description. Il faut désinfecter. Tu veux que je t'emmène à la pharmacie? Non, je vais me débrouiller, merci. Alors je vois que tu patrouilles dans le secteur. Oui, malheureusement pour moi, vous aussi. Je sais que tu veux nous aider et que ça part d'une bonne intention, mais tu ne sais pas évaluer le danger. Tu n'es pas un flic. Tu n'es pas équipé, tu n'as pas reçu de formation. On devrait essayer de le coincer tant qu'on a encore une chance. Ouais. Fais attention à toi à l'avenir. Du moment que t'es mon ange gardien. Quel succès, encore un nouvel admirateur. Génial, manquait plus que ça. Dossier Gene Savage. Il n'y a rien là-dedans. Et pour cause, il est nickel. Je ne comprends toujours pas pourquoi on a délivré une licence commerciale à un ancien détenu. Parce que ce n'est pas une raison suffisante pour refuser. C'est vrai. J'ai lu qu'il a été inculpé pour fraude, détournement de fonds et chantage. Ouais, il a plusieurs cordes à son arc. Et condamné à 10 ans. Et il n'en a fait que 7. Maintenant, il est de retour. Un citoyen que je dois protéger et défendre. Et vous ne pensez pas qu'il puisse rester honnête? Non. Mais ça fait 6 ans qu'il est sorti de prison. S'il voulait vous piéger, comme vous le présumez, il serait déjà passé à l'action. Ce type est un renard. Il sait être patient. Il ne rate jamais sa proie. Il ne frappe que quand il est sûr de gagner. Et qu'est-ce qu'il mijote, à votre avis? Aucune idée, mais je peux vous assurer que ce sera machiavélique et imparable. Si j'étais à la place du lieutenant, moi aussi j'aurais la trouille. Je comprends. T'imagines se rendre compte que son ami est un escroc? La claque. Dis-moi, si tu avais des doutes sur moi, est-ce que tu me dénoncerais? Je te balancerais dans les 2 minutes. Tu ferais la même chose, non? Oui, sauf que moi je ne serais pas enthousiaste à ce point-là. C'est plutôt triste. Oh, regarde ça. Hé, hey, là-bas, restez où vous êtes.
si on rentrait à la maison. Tu n'es pas curieux de voir ma surprise? Bien sûr que si. Voilà. On y est. Les arcades? Je travaille ici la nuit maintenant. Jean Savage t'a embauché? Ah, tu le connais en plus? Il est super gentil. Tu as répondu à une petite annonce? Non, en fait, c'est lui qui m'a appelé. Il a dû voir mon curriculum quelque part. Attends-moi ici, tu veux? Où est-ce que tu vas? J'ai dit attends-moi là, s'il te plaît. Tony! Savage! J'ai à te parler! Savage! Je suis là. Je ne m'attendais pas à te revoir. Je peux t'offrir une petite partie. Tu as engagé Susie Welch? Comme responsable de nuit, oui, elle est parfaite. En sachant bien sûr que c'est mon amie. Susie? Non, tu te moques de moi. Tu veux me faire croire que c'est une coïncidence? Évidemment que c'en est une. Comment j'aurais pu le savoir? Mais si ça te pose le moindre problème, j'engagerai quelqu'un d'autre. Tu parles que ça me pose un problème, c'est moi que tu vises. Tu deviens parano avec l'âge. J'ai surtout mon instinct de flic qui me dit que t'es toujours aussi ignoble. Non, tu as tort. C'est pas vrai. Je te prouverai que j'ai changé. Fais bien attention. Tu touches à Susie, je te fais la peau, même si c'est moi qui finis en tôle. Y'a pas de flic qui tient. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je vous prie de l'excuser, j'espère que ça va bien. Il n'y a pas de mal, ça ira. Mais comment en êtes-vous arrivé là? Il s'agit d'un petit malentendu entre nous. Au contraire, on s'est très bien compris. Je m'en vais. Je ne sais pas ce qu'il a, je suis affreusement gênée. Il vaut mieux que j'y aille. Je vous attends quand même demain, comme prévu. À partir de 5 heures, si vous voulez toujours travailler pour moi. Merci, Monsieur Savage. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez d'abord lui en parler. Parce que, visiblement, il a plus de mal que moi à tourner la page. C'est vrai. Enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu es fou? À partir de maintenant, tu t'approches plus et de lui. Et pourquoi? C'était un flic, un copain à moi. Il a dérapé, je l'ai fait tomber. Et ça remonte à quand? À 14 ans environ. Il a fait de la prison? Ouais, 7 ans de pénitencier. Depuis, il s'est rangé et maintenant, il veut juste vivre tranquillement. Et se ranger. Mais tu as peur qu'il se serve de moi pour t'atteindre? Il savait pas qu'on était ensemble. Bien sûr que si. Mais tu peux pas régler ça calmement, au lieu de lui sauter à la gorge. Tu sais que tu aurais pu le tuer. C'est le seul langage qu'il connaisse. Écoute, je te promets de faire très attention. Pas question que tu travailles dans cette boîte. Je ne te demande pas ton opinion. Susie... C'est le premier emploi qu'on m'ait proposé en 3 mois. J'en ai assez de tourner en rond, moi. Cherche autre chose. Non, Tony, ce n'est pas à toi de décider. En effet, je respecte ton choix. Mais pour ma tranquillité d'esprit, je passerai te prendre tous les soirs, d'accord? Mais sors de chez toi! Attends-moi là. Et qui est-ce? Son visage, au moins? Il faisait trop noir. Tu crois qu'il a cambriolé ton appartement? Je vais aller voir. À toutes les unités en patrouille dans le secteur de la baie, on signale une bagarre au carrefour entre la 3e et Rose. Ici un PB9, on y va. T'abus, Phil. Fais pas l'idiot. Tu vas te fatiguer avant moi.
plus. Salut, Corey. Allez, donne-moi cette planche. Approche, Rambo. Viens jouer avec moi. Je t'écoute, raconte-moi ça. C'est Phil qui a bu un coup de trop pour fêter sa mise au chômage et Brenda a pris une raclée. Et t'as enfilé ton costume de Superman au lieu de prévenir la police. Il l'a tabassée dans la rue. Si j'avais attendu les secours, elle serait dans le coma à l'heure actuelle. Je t'ai déjà dit que tu n'étais pas un flic. Non, mais vous n'êtes jamais là quand on a besoin de vous. J'aurais dû fermer les yeux et les laisser s'entretuer? Non. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place, hein? Je crois que dans ce cas précis, tu as bien fait. Ça t'arrache la bouche, hein, de le reconnaître. Faut que tu me demandes pardon. Oh, je ne te dois aucune excuse. Oh que si. T'arrêtes pas de critiquer tout ce que je fais. Alors tu m'invites à boire un café et on sera quitte. Tu te fais des idées. Rendez-vous au Café Dante à 6h ce soir. En tout cas, moi j'y serai, je suis sûre que t'y seras aussi parce que t'es bonne joueuse. Écoute, Andy. Je suis persuadée que t'es quelqu'un de sympa. T'auras la soirée pour le découvrir. Mais je ne suis pas intéressée. À 6h! Tu perds ton temps! D'accord. Ici, un PB6. J'aimerais qu'on m'envoie un fourgon dans l'allée derrière le Waterfront Café. Bien reçu, un PB6. Dis donc, je meurs de soif, on se prend quelque chose à boire? D'accord. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais est-ce que ça vous brancherait de participer au prochain clip de George Michael? Ah, oui. Je travaille pour une boîte de prod et je suis chargé de parcourir la plage et de repérer les futurs top modèles. Oh, c'est pas possible, c'est une blague. Absolument pas. Et tiens, si tu ne me crois pas, t'as qu'à prendre ma carte. Faudra faire un essai pour voir si vous êtes photogénique. Bon, je vous offre les boissons. Ah, oh. Oh, merci. Oh, désolé. Pas grave, j'ai ramassé, ça fait rien. Bah, il est passé où? Vite, arrêtez-les, ils nous ont pris nos vélos! Oh, c'est pas vrai. Oh. T'as vu? C'est les gamins d'hier. Dépêche-toi! Dès que vous avez fini la caisse, vous déposez l'argent dans le coffre de la banque de nuit, avenue de l'Arizona. Oui, oui, je vois très bien où c'est. Ne perdez pas la clé. D'accord. Je vous ai laissé mon numéro personnel. S'il y a le moindre problème, vous m'appelez tout de suite et... Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Parfait. Je dois vous avouer que je me suis demandé si vous viendriez finalement. C'est à cause de Tony. Vu comment il a réagi. Honnêtement, ça ne lui plaît pas trop. Mais j'ai besoin de ce job. Il ne faut pas lui en vouloir. Il a tout à fait raison d'être méfiant. Ah, oh, vous trouvez? Bien sûr, je n'ai pas un parcours ordinaire. D'habitude, la prison, ça vous fait rarement du bien. Au contraire, ça a tendance à vous faire replonger encore plus profondément. Ce qui n'est pas votre cas. Ça m'a transformé radicalement. Ça m'a rendu encore plus fort. J'étais déjà déterminé, mais là, j'ai compris que je devais reprendre ma vie en main. Ou bien j'y finirai mes jours. Oh, ça n'a pas dû être facile. Non, mais je n'avais le choix qu'entre ça et le suicide. Je compte sur vous. Essayez d'expliquer ça à Tony. Promis. Bonne nuit, Suzy. Bonjour, Tony. Harrison. Quelle mémoire impressionnante. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Revenez plus tard, j'ai trop de boulot aujourd'hui. Ça vous dirait quelques années de vacances? Grâce à vous, non merci. Il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis l'affaire Savage. Oui, pratiquement 14 ans. Ma première mission dans la police des polices. J'ai toujours regretté de ne pas avoir dirigé l'enquête. Où est-ce que vous voulez en venir?
14 ans après, vous êtes toujours aussi agressif avec moi. Vous avez failli me rendre dingue, ça vous étonne? On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Oh, renouvelez vos citations, Fred. Elles ne sont plus d'actualité à présent. Pourtant, on a enregistré une plainte contre vous. Je peux savoir quel genre de plainte? Civil, d'un commerçant. Il paraît que vous l'avez menacé sans motif apparent. Ça vient de Savage, ça. Ça m'épate que vous y accordiez le moindre crédit. Il a juré de m'avoir par tous les moyens le jour du procès. J'ai récupéré une photo prise par la caméra de surveillance. Très bonne qualité. Ça ne prouve rien à part que vous me faites perdre mon temps. À l'époque, j'avais une grande théorie sur vous et Savage. Ça vous intéresse? Non. Tout au début de votre carrière, vous faisiez partie de la combine avec Jean. Et pour sauver votre peau, vous l'avez dénoncé. C'est idiot, vous avez épluché ma vie pendant un an, ce serait forcément ressorti. J'imagine que vous avez eu de la chance, et c'est ça qui me gêne. Seulement cette fois, je vous pincerai. J'ai un petit boulot pour toi. Les arcades. Ouais, explique. La fenêtre de derrière ne ferme pas d'après mon tuyau. Il y a facilement 2000 dollars en ferraille. Et tu sais ce que ça pèse 2000 dollars en monnaie? Et c'est pour ça que je passerai faire le guet. Et t'aider à porter les sacs. Bon, moitié-moitié. Comme d'habitude. Ouah, à tout à l'heure. Monsieur Savage? Calme, du calme. Ne crie pas, reste tranquille et je te ferai rien. Ah, 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 ah. Hey, c'est moi. Tout va bien? Oui. Pourquoi tu cours? Il y a un type dedans. J'ai réussi à me sauver. D'accord. Je m'en charge. Tu téléphones au central pour demander de l'aide, d'accord? D'accord.
Chris, main sur la tête. S'il vous plaît, ne tirez pas. J'ai dit les mains sur la tête. Pitié, je vous jure, je le ferai plus. Maintenant, tu te mets à genoux. Ça me rend nerveux. Vous voulez pas ranger votre revolver? La ferme. Ça ira. On va prendre le relais. Allez, debout. Je voudrais juste que mes mains arrêtent de trembler. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. C'est fini, ça ne t'en fais pas. Oh, t'en es sûr? Tu ne me crois pas? Il n'y a pas que cet incident. Il y a hier soir, quand tu as vu Savage, et puis le type de ce matin. Quel type? Ce détective Harrison. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Tes rapports avec Jean Savage. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, rien de spécial. La vérité. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je ne veux pas que tu aies des problèmes, mais je n'allais pas lui raconter des mensonges. Et puis, il y avait cette image que la caméra de surveillance a prise. Ouais, je l'ai vue. Je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui va nous arriver? Rien. T'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. J'avais l'air tellement ridicule assis à cette table pendant des heures. Sois patient, ça marchera. Je me dis que c'est parce qu'elle a bossé tard. Pourtant, elle t'avait prévenu qu'elle ne viendrait pas. Oui, mais enfin, je pensais qu'elle faisait... Oh, regarde ça! Il a repris le commerce. On va le suivre, voir où est sa planque. C'est dangereux. On va pas louper une chance de le prendre en flag. Prends cette rue, tu passes par derrière. Si on appelait les flics d'abord. Avec quoi? Des talkie-walkie ou des signaux de fumée? Il y a une cabine téléphonique juste au bout de l'allée. On n'a pas le temps, suis-moi. Devant, on l'emmène aux urgences. Allez-y. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle a perdu du sang et elle est dans le coma. Ouais, mais on va la ranimer, n'est-ce pas? Ils ne peuvent rien dire. Elle a une chance sur deux de s'en remettre. Oh, mon Dieu. Andy, écoute. Elle connaissait les risques. Ce n'est pas de ta faute. Si, c'est ma faute. J'ai eu des nouvelles de la fille des bons samaritains. Ah oui. Comment elle s'appelait, Roberts? Robertson. Jane Robertson. État grave, mais stable. Le médecin dit qu'elle a de bonnes chances. Et concernant l'agresseur? Ça va pas loin. Faites une pause, officier. Je voudrais voir le lieutenant. Lieutenant? Oui, laissez-nous. Pardon? Quoi encore? J'ai fait mes recherches sur vous. Vous êtes vraiment Monsieur Popularité dans le coin. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de salir ma réputation. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je me suis heurté à votre plus grand fan, le banquier qui s'occupe de votre compte. Il a traîné du pied pour me donner ça. Qu'est-ce que c'est? Tous les mouvements de votre compte sur le dernier semestre. Ça doit pas être trop remuant. Jusque récemment. Vous avez déposé 40 000 dollars en liquide sur votre compte ce mois-ci. Dans mes rêves, peut-être. Tenez, vérifiez vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? 40 000. En dépôt toujours inférieur à 10 000, donc pas de problème pour frauder le fisc. D'où vient l'argent? D'une bourde informatique, malheureusement. J'ai vérifié, pas d'erreur. Alors c'est un coup monté de Savage? Oui, il vous offre gentiment 40 000 dollars. Vous me laissez une journée pour voir tout ça? Mon capitaine n'est pas un homme patient.
Donnez-moi votre plaque et votre arme. Vous êtes suspendu. J'attendais ce moment depuis très longtemps. Pour les grandes lignes, j'ai fait comme tu m'as dit. Je leur ai parlé du flic qui avait sauté les plombs. Et le juge pour enfants m'a confié à la garde de mon grand-père. C'est pas top, ça? C'est pour ça que la justice américaine est la meilleure. Donc pendant que le vieux est à l'église en train d'allumer un cierge, je prends mes affaires et je me casse. Ah ouais? Et où est-ce que t'aimerais te barrer? Je sais pas encore. San Diego, peut-être bien. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Jolie plage, jolie petite poule. Bonne idée. Tu te tiens à Carole tant que ça se calme? Exactement. Et donc j'aurais besoin de carburant, histoire de m'implanter dans le sud avant de reprendre... Quoi? Non mais, tu m'as pris pour ta banque ou quoi? Non, me lâche pas, sois sympa. Je te rappelle que je t'ai pas balancé. Non, attends, comprends-moi, j'apprécie le service, mais... je suis seulement un intermédiaire, il faut que tu vois ça avec le patron. Excuse-moi. Très bien. Toujours aussi sportif, Tony. Je vois que tu tiens la grande forme. Écoute, j'étais navré d'apprendre ta suspension. Mais j'aimerais t'expliquer pourquoi j'ai entamé les poursuites. Ça ne marchera pas, tu sais. Je te laisserai pas me démolir. C'est toi qui m'as obligé à demander un rapport. Je ne savais pas comment me protéger. T'as peur de moi? Après ce que tu as fait? Bien sûr que j'ai peur. Écoute, Tony. Quand j'ai eu l'opportunité de reprendre cette boîte, j'ai failli ne pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que c'était légal? Non, à cause de toi. Je savais que c'était ton secteur. Mais je me suis dit, j'ai le droit de vivre sur cette baie comme n'importe qui d'autre. Pourquoi t'as aussi peur de moi? Parce que ça ne vaut pas grand-chose, un ex-tôlard, surtout comparé à un lieutenant. Parce que tu as le droit de débarquer chez moi quand tu veux et de me plaquer contre les murs. Alors t'as une caméra de surveillance? La caméra a filmé par hasard. Écoute, c'est toi qui veux la guerre. J'essaye de survivre en utilisant le peu d'armes que j'ai de mon côté. C'est de la légitime défense. Sans aucune animosité de ma part. Avec un peu d'entraînement, t'arriveras bien à me sortir une petite larme. Allô? Tony Palermo? Oui, qui est-ce? C'est votre ange gardien. Comment avez-vous eu mon numéro? Fermez-la et écoutez-moi. Je peux vous aider à vous débarrasser de Savage. Comment? Rendez-vous au parking de la baie dans une demi-heure. Je vous donnerai toutes les preuves qu'il faut pour l'envoyer à l'ombre définitivement. Allô? Simpson! Oh la vache, il l'a abattu! Il a descendu mon pote! Tu as vu qu'il l'a descendu? Ah, attends! Les mains en l'air, qu'on puisse les voir! Non, calmez-vous, je suis de la maison! Montrez-nous votre plaque! Je l'ai pas sur moi! Oh, j'avais des courbatures partout ce matin. Demande à Elvis de regarder ta suspension, elle est peut-être mal réglée. Ouais, c'est mes vacances que j'aurais besoin de régler en priorité. Cory, tu viens d'avoir un message de l'hôpital. Je croyais que Jen était sortie d'affaires. Elle, oui, mais il y en a un qui va avoir des ennuis. Jen voulait te prévenir quand Andy Miller a acheté un flingue. On y va. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites là? C'est mignon chez vous. Merci pour le compliment. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voir à propos de la fusillade du parking, on m'a donné le rapport. C'était un coup de fil anonyme.
Ouais. Et vous n'avez pas eu le moindre soupçon. Et on vous retrouve comme par hasard sur les lieux où Simpson se fait tuer. Si j'avais pu prévoir, j'y serais pas allé. Simpson travaillait pour vous? Vous êtes dingue, qu'est-ce qu'il aurait fait? On a découvert des douzaines de bécanes démontées prêtes à être vendues à un casseur dans sa boutique. Il vous a acheté, n'est-ce pas? Vous deviez le couvrir et fermer les yeux sur son commerce. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Parce qu'il y a le compte-rendu balistique. On a extrait une balle de la rambarde qui semble correspondre à un vieux modèle de 38 spécial enregistré au nom d'Anthony Palermo. Ils m'ont piqué mon revolver. Vous n'allez pas me dire qu'on vous a cambriolé. J'ai vu un type rôder devant mon appart il n'y a pas deux jours. Vous l'avez signalé, bien sûr. Je pensais l'avoir surpris parce qu'il ne me manquait rien, ni ma montre, ni mon portefeuille. Dans mon bureau à 11h. Amenez votre avocat. Je te préviens si j'ai quoi que ce soit de nouveau qui arrive. Tu me diras comment c'était. On ne bouge plus. Vas-y, si t'as besoin d'un truc, j'ai ce qu'il te faut. T'as tiré sur mon ami. Je suis pas armé, ça peut pas être moi. Tu dois confondre. Ne me raconte pas de salade. Tu l'as descendu. C'est ce qui va t'arriver et je voulais que tu saches pourquoi. Tu te prends pour un justicier, hein? Je vais te crever comme ta copine. Hé, hey, lâchez ce revolver. N'avancez plus où je tire. Restez où vous êtes, je ne le dirai pas deux fois. C'est amusant. C'est exactement ce que moi j'allais te dire. Tu sais, les bons samaritains travaillent avec nous. Tu en touches un, c'est comme si tu touchais à un flic. Et tu sais ce que ça coûte? Si à trois, tu ne m'as pas donné ton flingue, il y aura au moins un mort dans l'histoire. Je commence! Un, deux! Ça va, voilà, je me rends! Allez, bouge, abruti. On se retrouvera. Tu vas bien? Oui, un peu sous le choc. Tu le pensais quand t'as dit que les bons samaritains étaient comme des flics? Non, c'était pour lui faire peur. Tu es en état d'arrestation, Andy. Tu m'arrêtes? Pour quelle raison? Détention illégale d'une arme à feu et agression. Tu vas vraiment me boucler? T'es une menace pour les gens. Plus vite tu seras hors circuit, mieux ça voudra. Pour toi et pour les autres. Tu as le droit de garder le silence. Si tu renonces à ce droit, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Encore un coup de Savage? Évidemment que c'est lui. Il avait tout préparé depuis longtemps. Vous dites que le gamin qui a volé les bécanes a vu l'assassin? C'est pour ça qu'il s'est enfui, il avait la trouille. Qu'est-ce qu'on attend pour essayer de le coincer? Attendez, vous couvrez le nord de la baie, je prends le bord de mer. D'accord, mais on reste en contact. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro, on fait un boulot d'équipe. Ouais. Regardez qui est là. Relâche le môme. Moi, faire une bêtise pareille? Tu avais raison, Tony. Je n'abandonne jamais la partie. Laisse au moins le petit de côté. Impossible. Il a plus de valeur mort que vivant. Ça ne sera rien d'autre qu'une malheureuse victime qui aurait pu témoigner de ta déchéance. C'est mon flingue? Oui. Celui avec lequel tu as tué Simpson. C'est faux, c'est vous qui l'avez tué. Il y a tes empreintes dessus maintenant. Normal, on s'est battu. Et je te l'ai arraché des mains. Juste après que tu aies éliminé ton dernier témoin.
Allez, rends-moi mon arme. Te rendre ton arme? Non, il n'en est pas question. Je vais pas me dégonfler après tout le mal que je me suis donné pour monter ce plan. Je ferai ce que tu voudras. Savage! Doucement, doucement. Debout. Je suppose que vous savez comment ça marche. Attends, est-ce que ça va? Fichez-moi la paix. Écoute, laisse tomber si tu veux, mais si jamais il te retrouve, il te tue. Je sais récompenser mes amis. Oui, comme Simpson, il l'a tué devant moi. Je veux bien témoigner, j'ai tout vu. Allez. 3 années de préparation à chercher des renseignements sur vous, vos habitudes et votre compte en banque. Et sur Suzy. Il a engagé Simpson pour avoir un pion à sacrifier le moment venu. C'est sûrement lui qui a cambriolé votre appart. Il l'a tué pour supprimer toute piste remontant jusqu'à lui. Et vous faire accuser de meurtre. Par votre intermédiaire. J'espère que vous me pardonnerez. J'avais tort depuis le début. Oui, en effet. Et je m'en excuse. C'est pas tous les jours que la police des polices vous présente des excuses. Merci pour le coup de main, Tissy. Mais je suis là pour ça. D'un côté, Savage va me manquer. Pourquoi? Suzy est de nouveau au chômage.